Ça là, tu vois, ça simple, simple comme ça. Mais il dit, quand tu as goûté un là, tu as voulu finir tout à cette là. Ça s'appelle la taïf. Hier, il a coupé mon carême et ça. Aujourd'hui, je vous montre la recette. Pour la pâte, 4 verres de farine, 1 pincée de sel, 1 verre de semoule, 5 cuillères de sucre, 2 cuillères de l'eau de fleur. Faut mettre l'eau de rose chez toi. 2 petites cuillères de levure. Pour l'eau, c'est 3 verres et demi. Pour la crème, il vous faut 2 verres de lait, 1 verre de crème liquide, 4 verres d'eau. Mais moi, je vais mettre 4 verres de lait. Il vous faut 4 cuillères de maïzena. Là, vous allez mettre ça au feu, à petit feu, et puis vous allez mélanger. J'ai obtenu cette texture-là. L'eau de rose, une cuillère. Il y a comme une couche, une peau qui se forme. Donc, pour éviter que ça se forme là, tu mets sachet. Vous allez commencer par remélanger votre pâte, et puis vous allez mettre tout au milieu. Hein? Vous voyez, non? Je dis, c'est devenu un peu gélatineux là. Ok, c'est prêt. Là, vous prenez votre gâteau là, et puis vous prenez une partie de votre crème. Là, vous fermez. Fermez. Vous reprenez votre crème et puis vous essayez de faire rentrer. Vous pouvez prendre pistache qui est un peu écrasé. Vous mettez juste un peu dedans. Là, voici ça. Il y a le sirop de sucre. Partez sur YouTube, mettez sirop de sucre. Versez sur votre gâteau. Bon, vous n'êtes pas manger au lieu sans carré.